Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, Lyon, ils ont gagné la dernière minute. Moi, j'étais parti aller dormir. Là, je suis pas chez moi. Là, vous avez vu, là, je suis chez mon pote bordelais qui s'appelle Maudit, mon meilleur ami, mon meilleur pote qui est là et qui est. Bon, il s'en fout complètement, il a pas regardé le match. Et puis voilà, Lyon, franchement, a fait son match. Moi, je pensais qu'on allait faire un match nul, j'avais tout coupé. Je partais pour aller dormir. Et un de mes potes m'a dit, m'a envoyé un message et m'a dit 2-1. Je te jure, qu'est-ce qu'il dit ? 2-1 ? Ah bon, 2-1 ? Ben, du coup, j'étais content et j'allais dormir là. Je regardais, j'ai pas regardé le match, hein, les amis, j'ai rien regardé. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, ils se sont battus, les Lyonnais. S'il y a eu le 2-1, ça veut dire qu'ils se sont battus. Franchement, j'ai pensé qu'ils allaient faire match nul. Voilà qu'on est premier du championnat de France. Je savoure ça pour, pour une petite soirée que j'allais dormir tranquille avec cette première place. Ça fait plaisir que Lyon est premier. Et mon ami Maudit qui est dégoûté un peu, mais bon, il regarde même plus son équipe. Il est un fan de Bordeaux, mais il suit même plus Bordeaux. Maudit, qu'est-ce que vous pourrez dire sur cette défaite? Aucun, aucun discours. Il est dégoûté. Ah, c'est malheureux, c'est malheureux. Il regarde même plus Bordeaux. Pourtant, c'est un fan de Bordeaux, mais il ne les suit plus. Moi, je suis Lyon jusqu'au bout, même si, bon, c'est vrai que quand ils perdent et qu'ils font des matchs pour le 5-0, je voulais pas faire de vidéo, parce que voilà, c'était contre des plots. On a joué contre des plots, donc je n'ai pas besoin de faire une vidéo si en face, ça joue pas. Il faut qu'il y ait du match. Là, il y a un match. Donc, il y avait le mérite de faire une vidéo, parce que là, on pensait qu'ils allaient faire le match nul. Et du coup, Lyon a fait la victoire à la dernière minute. Je n'ai même pas regardé c'est qui a marqué. Tout ce que c'est, ce qu'on vient juste de m'envoyer un message que Lyon a fait match nul, n'a pas perdu. Et puis voilà, je suis content. Là, je suis chez mon pote Maudit à Toulon, dans le Var. Je passe un petit week-end tranquille, sympa. Et puis voilà, j'ai même pas suivi le match, je regardais la télé. Puisque j'étais terrible, choqué de l'histoire du confinement. Là, il va y avoir les fermetures de la frontière française, etc. On ne sait pas si on va être tous confinés. Là où je vous parle, peut-être que dans quelques temps, on va avoir la mauvaise nouvelle qu'on serait confiné ou quoi, c'est ça. J'étais dedans et puis je ne suivais pas vraiment le match. Puis, tout ce que j'ai essayé, c'est qu'il y avait un partout. Lyon a fait son match et a arraché la victoire à la dernière minute. Et ça fait plaisir. Bon, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, je suis désolé si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que j'ai pas trop le moral en fait. J'ai le moral un peu, je suis un peu ailleurs. Mais ça, quand ça va, je sais même plus ce que je dis. Dès que je vais commencer à être relancé, je vais me relancer sur les dégustations, plein de vidéos qui vont venir. Mais je suis désolé si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Bon, bah, salut les amis. Et merci pour les Lyonnais et merci pour mon pote. Shams qui m'a envoyé les messages pour me dire que Lyon avait gagné 2-1. Ouais, c'est ça, 2-1. C'est les amis. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Très rapide. Bon. Oui les amis, je n'oublie pas dans cette victoire de Lyon qui a gagné contre Bordeaux 2-1. Je n'oublie pas que les autres n'ont pas joué. Attention, les autres n'ont pas joué. Le PSG qui va aller à Lorient, qui va forcément gagner à Lorient, moi je pense à 80%, même 100% que le PSG va battre Lorient, parce qu'ils sont derniers, ils sont mal classés Lorient en ce moment, ils sont dans la zone rouge, ils vont peut-être descendre, mais bon, le championnat n'est pas fini. Et puis nos amis Lillois, forcément, qui vont gagner face à une grosse équipe, une petite équipe, on va dire, de Dijon. Je pense que ça va rien changer. C'est pour ça, comme je vous ai dit, je savoure la petite victoire tranquillement et calmement du PSG de Lyon contre Bordeaux, puisque c'est un match qui était très important, qu'on prend la première place pour si jamais quelqu'un s'est détroche ou une petite connerie, ou s'il y a une équipe qui fait un match nul, etc. On a deux chances à gagner une place, que ce soit la première ou la deuxième. Mais je pense que là c'est mort. Sûrement, forcément, le PSG va gagner face à Lorient, ça c'est à 100% sûr. Et Lille face à les Lyonnais, forcément, vont gagner face à Dijon, c'est obligé, moi je pense. Donc voilà, même si je suis content dans cette soirée que Lyon a gagné, c'est pour juste une soirée que je savoure ça. Et j'y crois toujours que Lyon peut être champion, mais bon, même si les matchs vont commencer à être difficiles, mais bon.
Il faut toujours y croire. Le PSG prépare un match de, contre le, les Barcelonais, contre Barça. Donc, comme ils préparent ce match, forcément, ils vont gagner tous leurs matchs maintenant. Et puis, Lille, peut-être qu'ils vont craquer un jour ou l'autre, sinon, je ne sais pas. Allez, salut les amis. Tchuss.